Allez, ça va suffire pour aujourd'hui. Eh mais franchement, c'est chouette, hein. Ça va, je peux en progresser. Ah bon? Bah ouais. T'es prête à t'inscrire au club, là, je crois. Tu crois? Bah ouais. Comme ça, tu vas le faire avec d'autres personnes, ça va être chouette. Antonin, dépêche-toi, j'ai piscine! Mais qui êtes-vous, madame? Antonin, je suis ta mère! Tout le week-end, elle fonce le retrouver. À la moindre occasion, elle lui crampe dessus. C'est sûr, Jérém. Elle aime plus son vélo que moi. Ça va, là. Réfléchis. Je pense que dans un club, ça va pas être possible. Non, mais pourquoi? Bah parce que j'ai une vie de famille. Mais Gigi, moi aussi, j'ai une vie de famille. Encore un beau préjugé. Bon, Gigi, je vais te présenter Morgane. C'est la CTL du Limousin, ok? Géraldine, elle croit que le triathlon, c'est incompatible avec des vies de famille. Bah non, pas du tout. Il y a plein de clubs qui proposent des créneaux famille. Tu peux venir le matin avec tes enfants et il y a un éducateur ou une éducatrice qui te prennent en charge toi et tes enfants. C'est cool. Donc Antonin, mon fils, il pourrait nager en même temps que moi. Oui, vous pourriez nager sur des créneaux simultanés. Et je peux le proposer aussi à mon mari? Oui, bien sûr. Mais pour le coup, si ça lui plaît pas? Alors, avec la Fédération Française de Triathlon, on propose les passes clubs. Donc en fait, pendant un mois, les gens peuvent venir essayer gratuitement tous les créneaux. Gratuitement? Et après, si ça lui plaît, il prend une licence. Alors là, je signe direct. Géraldine? Ouais, Géraldine.